Alors donc comme ça tu as fini les études? Oui, ça fait depuis 3 ans. 3 ans. Oui, wow. J'ai fini les études. Et tu as fait quoi? J'ai fait vendeuse en pharmacie. Ah, j'ai essayé de déposer les dossiers par-ci par-là. Aucune suite. Non, ça c'est. Tu sais, ici là, il faut avoir maintenant les relations pour trouver le travail. Hein. Ouais. Moi je suis là, là où tu m'as rencontré là, c'est que ton problème est résolu. Je vais te trouver le travail. Ouais, je te trouve le travail. Je te mets aux impôts là où moi je suis. Aux impôts? Oui. Je te dis, j'ai fait vendeuse en pharmacie. Ça, c'est pas un problème. Moi-même, je suis capable de faire créer une pharmacie seulement pour que tu viennes travailler là-bas. Ça, c'est pas un problème. Merci, Seigneur. Ça, c'est un petit problème. J'ai rencontré un homme. Hey. Merci, Dieu. Je suis le chef de centre chargé de vérification fiscale de la zone nord. Zone nord? Oui, oui, la zone nord, c'est-à-dire que de Libreville, tout le septentrion, là, c'est moi qui coiffe ça. Oyem, Bitam, jusqu'à la frontière, c'est moi. Waouh! Voilà. Tu vas aux impôts, tu demandes Dieu de Néon, on va t'envoyer ses chemins. Dieu de Néon. Oh, voilà. Merci Seigneur, merci. Ça, c'est pas un problème. Dieu, quand... Mais il faut seulement être ouverte. Je suis ouverte. Si tu t'ouvres à moi, je t'ouvre le monde du travail. Je suis ouvert. Voilà. Je suis ouvert. Voilà. Quand je disais à mes parents que ça, c'est mon année de gloire, ah, ils ne me croyaient pas. Attends, je vais appeler ma mère. Appelle maman, ils ne te croyaient pas parce que tu n'avais pas encore rencontré Dieu de Néon. Moi, je change ta vie là, de là à là. Il n'y a pas de problème pour ça. Merci beaucoup. Appelle ta mère. Ça, ce n'est pas un problème. Bonjour. Bonjour. C'est comment? Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Je suis en pause. En pause? Mm-hmm. Tu es en pause aux heures de pointe? Non, c'est bon, c'est bon. Mais toi, tu me dis que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? C'est calé, c'est bouclé. Mais qu'est-ce qui est calé et bouclé? Moi, je ne comprends pas. Non, c'est bon, j'ai déjà. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Non, je ne bois rien. Moi, ce qui me naisse, parce que tu te comportes très mal. Et après, il y a les problèmes de recette. Non, hein? C'est bon, on va régler ça. J'ai déjà calé. Ça, c'est... Tu as calé quoi? Tu as la recette? Je vais. Tu as déjà la recette quand tu dis que c'est calé. Vous parlez de quelle recette? Ah, on parle de fiscalité, maman. Toi, tu as fait vendeuse en pharmacie, tu ne maîtrises rien. Tu as la recette? Mais attendez, moi, vous commencez à me fatiguer avec votre affaire de recettes là. Vous voyez pas les dépenses que moi je fais sur la voiture là. J'ai investi sur la voiture. J'ai investi quoi? Les frais de réparation de la voiture là, 100 000 francs, j'ai dépensé ça. 100 000? Ah oui? Regarde-moi ça. Arrête. Quand moi j'arrive sans la recette, vous pensez que moi je fais des dépenses, je sais pas quoi. Voici le reçu. Avant hier, j'étais au garage. C'est quoi? Je veux la réparation de rotule avec test positif de parallélisme. C'est quoi ça? Mais c'est-à-dire que quand il a refait les rotules, là, je n'ai plus besoin d'aller faire le test de parallélisme, c'est tu bon. Tu vois, fixation d'échappement, arrivée tombant. Ça, ce sont des conneries. Mais comment? Je suis arrivé là-bas, l'échappement était au sol. Et comme c'est une voiture essence, j'ai failli prendre ça avec la voiture, là. C'est bon. C'est quoi? Changement d'amortisseur avec système d'anti-choc garanti jusqu'à la fin de circulation du véhicule. Je suis sûr que c'est toi qui as trafiqué ce reçu. Je vais trafiquer le reçu comment? Donne-moi le numéro du mécanicien. Ah, mais tu vas dire quoi au mécanicien? Tu vas dire quoi au mécanicien? J'arrête ça. J'arrête quoi ça. Moi j'attends juste qu'on me rembourse mon argent, c'est tout. Qui va te rembourser? Comment ça? Mais tantine va me rembourser l'argent et dépenser 100 000 pour rien. Je comprends pas. Chérie, c'est pas ta voiture. C'est ma voiture de service. Mais ce sont les impôts qui doivent te rembourser les frais de réparation. Les impôts? Les impôts vont rembourser. Tu bois quoi? Tu bois quoi? Mais ils travaillent aux impôts? C'est la voiture de service. Grand, tu travailles aux impôts depuis quand? Quel impôt? Comment ça? C'est mon grand frère. Hein? Il roule le clando de notre tante. C'est un clandoman. Qui t'a payé des impôts? Hein? Qui t'a payé des impôts? C'est pas toi qui m'as dit que tu étais chef de quoi. Toi, tu es malade. Non. Moi, je suis là, je te paye des impôts. Regarde-moi ça. Oh, Seigneur Jésus. Regarde-moi ça. Gérard, donc, elle est où? Moi, je paye des impôts. J'ai passé 2 heures ici en train de parler avec un clandoman. Un clandoman. Et puis, heureusement que ma mère n'a pas de crochet. Et puis, n'importe quoi. N'importe tu quoi n'as aussi. Même pas honte. Elle va te faire voir. Ça, c'est quoi? Toi, tu penses qu'un gars des impôts même peut même te draguer? Bah. Non, faut arrêter ça. J'arrête quoi? J'arrête non, quoi? C'est pas bon, grand. Faut arrêter ça. À ce rythme-là, tu vas finir en prison. Quelle prison? C'est Tantine qui va faire en prison. La prison, c'est elle me rembourse mes 100 000. Et puis, qu'est-ce que je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Celle-là, c'est ma deuxième femme que je voulais mettre au foyer que tu viens de gaspiller avec la relation comme ça. Tu as de blaguer? Déjà, tu as du mal à t'occuper de la première femme. C'est celle-là. En gros, arrête-moi ça. Arrête-moi tes conneries là. J'arrête quoi? Arrête ça. Ah bon? Hein? Ouais. Donc, tu es venu juste pour me gaspiller mon affaire. C'est pas grave. Je remets ça entre les mains de Dieu. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Tantine et toi, c'est tout toi. Vous allez voir ça. Je ne me rembourse pas l'argent. Je casse la voiture là. Yeah.